Hey, yep, tout le monde, et bienvenue pour la suite de Anno 2005. L'objectif du jour, débloquer ceci. Oui, tais-toi, je sais. Ah, tu veux de l'amélioration. Ah oui, c'est vrai qu'on a du graphène maintenant. En ayant du graphène, on peut débloquer beaucoup de choses, notamment réduire, augmenter la capacité de production. Réduire le coût de la main d'œuvre, augmenter de l'accumulateur dans réduction d'énergie, et également de l'espace de stockage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu la main d'œuvre. Non, je vais peut-être pas la réduire la main d'œuvre. Justement, je vais augmenter un petit peu le. Le bon système, c'est la clé. Voilà. Et je vais mettre un petit peu un accumulateur quand même. Parce que c'est bien beau, mais il va falloir quand même faire des choses. Donc. Du cobalt et réduction d'énergie et pourquoi pas réduction du drone tiens. Alors ça on le trouve où ça je sais pas. Ok, donc maintenant que ceci t'en fait formidable ici. Ouais, t'as vu hein, je confirme que c'est vraiment cool. Ce que je vais avoir besoin. Ah oui, parce que du coup il va falloir de l'opérateur à gogo là. Ta-la-ta. Pa-la. T'as vu, je chante bien. Hein. Moi je qu'on puisse pas mettre de trucs ici. Alors, du coup. Bah, ils ont tout au maximum. Hop, puis on sera tout, j'ai augmentons le tout. Par ici la monnaie, plus 1000 de crédit. Waouh, c'est trop cool. Ah bah ça va, plus 1000 par minute, ça va, c'est plutôt tranquille, hein, moi j'aime bien. Le maximum que j'ai fait ici, c'était plus 26 000. Nouvelles options de construction. Ah, on peut faire des choses. Ferme d'algues. Pouf. Tiens, on va mettre une petite ferme d'algues. Peut être cool. Donc du coup, qui dit ferme d'algues dit forcément avoir des réjuvénateurs. Putain, j'ai eu du mal. Alors du coup, ça voudrait dire qu'ils ont besoin de ça. Bah forcément, il y a besoin de, évidemment, de production. Du coup, ce qu'on aura besoin maintenant, c'est de l'incubateur. Produit des algues. Avec ce qu'il faut. Je vais espacer de deux. Ah. Ça produit des choses. Et du coup, on a besoin de ça. Oh, ça commence à devenir gros dans les temps, dans les trucs. Et du coup, je pense qu'ils vont être contents. Bah oui. Enregistrement sous un nouvel intitulé. Et du coup, on augmente encore la population parce qu'ils sont contents. Ah oui, forcément, il leur faudrait plus. Ok, il y a de la place pour quelques améliorations. T'inquiète pas, je te l'augmente. Essayez voir. Alors, forcément, lag, il y en a plus. Obligé d'augmenter l'algue des accumulateurs. Ah oui, je m'en doutais que c'était deux en plus. Je m'en doutais que c'était deux. Voilà, non, accumulateur. Voilà, il nous faut un autre conteneur. Ah bah t'inquiète pas, je vais t'en mettre du conteneur. Ça, c'est quoi comme production? Ah oui, d'eau. Ok, et ça, c'est la production. Alerte. D'eau. Ah, c'est lui. Tiens, je vais le produire, moi. Calculateur financier, moins 10% de crédit. Ah oui, ça coûte quand même un bras, ce truc. Et drone, moins 20% de main d'œuvre. Ouais, bon, on va plus réduire un petit peu le coût financier, quand même. Parce que c'est bon, c'est pas que, mais ça coûte quand même un petit bras, ce machin. Bon, il a quand même réduit de
Ouais, ça va. Ça va, c'est déjà vraiment bon. De toute façon, j'ai actuellement limite de compte jusqu'à 600 000 hein, pour l'instant. Donc j'ai largement ce qu'il faut. Fournir ce qui est. Travaille pour Du moi. coup, Ah bah voilà, lui je peux l'augmenter. Du coup, il est content. Au niveau de tout ça, nous avons bah, largement ce qu'il faut. Largement, largement. Ce qu'il leur faudrait maintenant. Voudrais vivre nulle part ailleurs. Ouais, je confirme. Des implants neuro. Mais forcément, les implants neuro, bah, j'ai pas ce qu'il faut. Et là, il faut 2500 d'opérateurs. Donc forcément. Alors déjà ici, bah, je vais laisser. Parce que pourquoi? Parce que je vais devoir leur en mettre plus. Après, j'ai de quoi en mettre. J'ai quoi de mettre des maisons ici, je crois. Ouais. Voilà. J'ai largement ce qu'il faut. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va augmenter un petit peu le riz. Parce que je sais que le riz, ça va nous manquer. Alors par contre, tu vois, le riz, maintenant, on peut l'augmenter directement. Sauf que ça commence à devenir des grandes zones. Bon, après, ceci dit, c'est bien quand même. Mais je privilège encore, limite, avoir ça. Enfin, évidemment, j'ai pas ce qu'il faut pour le mettre. Là, par contre, j'aurai ce qu'il faut. Alors, je vais en mettre un là. Je vais mettre une petite route. Voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. Tu vois, l'Arctique, c'est quand même pas mal. Parce que ça nous demande des choses. Non, mais ça, tais-toi. Moi, j'en ai pas besoin. Donc là, pour l'instant, bah, ce qu'on va faire, au lieu de partir à l'Arctique, à la conquête glaciale, on va essayer d'avoir quand même des grands opérateurs. Donc il nous manque quand même 800 d'opérateurs. Oui. D'accord. J'ai pas compris, mais oui. Waouh. Donc du coup, lui, je vais pouvoir les améliorer quand même tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Est-ce qu'on a largement ce qu'il faut dans tout ça? Ouais, on est large. Peut-être pour ça, augmenter un petit peu. Faut 70. Je vais quand même enlever pour un drone. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Bon, tant pis. Bon, niveau de long, on est plutôt tranquille. Va nous falloir du coup beaucoup de personnes. Et du coup, voilà. On va placer une route également. Voilà. Largement ce qu'il faut. On va placer une petite maisonnette dans le petit coin. Déplacer, tiens. Petite maisonnette. Une petite route. Voilà. Et du coup, on va pouvoir en améliorer. Construction possible de nouvelles structures. Ouais, je suis trop d'accord. Niveau supérieur d'influence atteint. Supérieur d'influence atteint. Bah pour la... Oh, ça monte! Oh, ça monte! Ça monte! Ça monte! Ouh, ça monte bien! Et ch'ting! On peut le mettre! Nouvelles options de construction. Oh, les visiteurs ne me dérangent pas. Waouh! On peut faire des grandes choses. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il nous manque un petit peu tout ce qu'il faut. Certes. Ouais, il fallait bien que ça manque quelque part, de toute façon. Alors, du riz, je vais te mettre où ton riz, toi? Tu vois, ils sont un petit peu en manque parce qu'il n'y a pas le truc sécurité. Après le truc sécurité, je pourrais peut-être le mettre là-bas. Ouais, pourrait pas. Il est trop gros. Il leur manque du riz. Ok, il y a de la place pour quelques améliorations. Le riz, il est correct. Maintenant, il leur manque du fruit et du jus de fruits.
forcément du fruit et du jus de fruit. Alors du fruit, on pourra t'en mettre, ça c'est pas trop un problème. Le bon système, c'est la clé. Ouais. Ensuite, du jus de fruit. C'est maintenant ou jamais. Voilà, du bon petit jus de fruit à gogo. Et voilà, nous sommes déjà en excédent de tout. Voilà. Ici, ça a besoin d'entretien. Attends, on va réduire l'entretien. Voilà. C'est quand même mieux que rien. Donc là, on commence à obtenir quand même pas mal de choses. Hein. Déjà, au niveau ici, on est quand même largement ce qu'il faut. Donc là, on a quasiment tout. Maintenant, c'est vrai que manque de bâtiments de ce type et lui manque la sécurité. Forcément, il y en a qui vont le manquer. Il leur manque toujours du riz. Ah, ce satan. Ce riz-là, bah, c'est bien beau, mais pour l'instant, je peux pas trop te le mettre quelque part. Quoique, je peux peut-être. Peut-être que je peux les mettre là, tiens. Ouais, je vais pouvoir le mettre là. Du coup, ton riz, bah, je vais pouvoir le mettre. Oh, il manque des camions. Attends, on va rajouter des camions. T'as vu, je te mets plein de riz. J'espère que t'es content. Ouais, plus 40 de riz. Hey, YOLO, on y va, c'est la fête. T'as 1200 personnes en emploi, hein, YOLO. Eh ben voilà. Donc, on peut dire que cette première partie est quand même plutôt sympatoche. On commence à avoir 1200 personnes, c'est plutôt bien. Donc, on va dire que ça produit, du coup. Et on va partir à la quête, à la conquête de la zone arctique. Ouais. Ensuite, projet logistique, projet décoratif, exploitation de minéraux rares. Dire que le choix de votre site de départ est limité. Bah tu sais quoi, on va choisir celui-là. Projet logistique, c'est quand même bien, mais l'exploitation de minéraux rares, c'est quand même mieux. En phase 2 du programme de licence le phase 2, licence lunaire. Habilité à exploiter les gisements de ressources rares de la région arctique. Vous opérerez sous la tutelle des Arctic Custodians. Ils contrôlent les stabilisateurs climatiques qui tempèrent la météo mondiale en préservant la banquise arctique. Ah si seulement on pouvait faire ça dans la vraie vie aussi. Vous communiquera de plus en... D'accord, il n'a pas fini le truc et... Tais-toi. Neige et glace, un spectacle on ne peut plus rare de nos jours. Une rareté qu'on doit à la technologie de stabilisation climatique des Custodians. Je suis le docteur Howard Young. Je représente les Arctic Custodians. Tout d'abord, une précision d'importance. Vous êtes tenu d'observer nos directives à tout instant. L'écosystème arctique est ô combien délicat. Respectez ces règles et tout ira pour le mieux. Waouh. Pour l'accueil chaleureux, ils repasseront. Bref, on se concentre sur la phase 2. Et alors, c'est une base d'opération sur l'une des îles pour exploiter les ressources arctiques. Il nous les faut pour construire la fusée. Votre nouvelle colonie, j'espère que... Oui, t'inquiète pas. Alors, du coup, en fait, ce que ça fait que là, c'est que nous sommes déjà à notre support arctique. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si on veut coloniser une région particulière, il va falloir, en fait, amener le... Ah, tais-toi. Amener le bateau du lieutenant, en fait, du commandant, plutôt, sur une banquise en particulier. Le problème étant que il faut vraiment savoir laquelle... Et je signerai l'acte de cession officielle. Cependant, tu vois, pour l'instant, revendiquer l'île. Ah bon, on va revendiquer celle-là, tiens, tu vois. On va le mettre là. Revendiquer. L'île vous confère les droits d'exploitation sur toute la zone. À partir de maintenant, les Arctic Custodians vont vous surveiller de près. Leurs directives sont strictes. Alors, il y a une chose à savoir.
une chose à savoir avec ça, c'est que vous avez un rayon là. Le rayon là, c'est égal à la zone de chaleur. Vous pouvez placer éventuellement des populations protecteurs, par exemple, à l'extérieur. Cependant, ils vont être en fait en manque de chaleur, donc du coup, ils ne vont pas être contents. Donc du coup, ils vont partir, clairement. Là, ça nous dit que la chaleur se diffuse dans un rayon d'effet donné. Plus vous aménagez vos usines avec précision, plus vous placerez, vous pouvez placer en fait des résidences dans ce périmètre. Chaque secteur a un pôle commercial et déplacer les machins et autres. Donc du coup, clairement... Ce site de construction est à vous, mais non abus. Ouais, t'inquiète pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, on va commencer par tout simplement une petite route. La petite route, je vais la mettre là, tiens, tu vois, pouf, je vais la mettre là, la petite route, elle est plutôt tranquille, elle est magnifique, elle est bien. Cette zone-là, du coup, va falloir mettre des protecteurs. Quand vous sélectionnez la zone de protection, ça vous marque autour. Insuffisance, source de chaleur. Ici, tu peux. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac, tac. Là, tu peux pas parce que tu ne peux absolument pas. Ici, tu peux. Voilà. Du coup, ils vont être contents, là, maintenant. Du coup, en fait, eux... Voilà. Eux, ils résistent au froid. Mais pour ça, il faut qu'ils conservent des aliments. Il faut qu'ils boivent des boissons vitaminées. Donc, il faudrait augmenter assez suffisamment pour pouvoir leur permettre... Oui, tais-toi, c'est bon. Je vais t'en donner, moi, des biens de consommation, tiens. Il leur manque actuellement des aliments. Des aliments, c'est quoi? C'est ça. Mais ils ont besoin de poissons. Et le poisson, il faut bien le pêcher quelque part. Donc on le pêche ici. On le pêche ici. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Non. Ouais, zone de chaleur, parce que sinon t'en as pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, tu vois, on va vraiment prendre la zone vraiment lointaine. Pourquoi ? C'est comme ça, je vais pouvoir, en fait, tout simplement, mettre des résidences. Je n'ai jamais mangé de vrais poissons de toute ma vie. Ouais, moi non plus. Il n'y a que dans les régions polaires qu'on peut encore en trouver en quantité exploitable. Il fait tellement froid que... C'est fou, parce que même la vie, en fait, sous-marine dans les régions glaciaires sont quand même assez abondantes, Heureusement que l'homme ne peut pas encore officiellement ou officieusement, j'en sais rien en fait, exploiter tout ça parce que sinon il n'y aurait plus de vie sur Terre. Heureusement qu'on a des fonds marins encore inexploitables. C'est mon point de vue. Après, du coup, vous avez du poscaille. Vous avez de la conserverie. On va vous mettre des petites habitations dans le coin. Ils vont être contents. Alors, forcément, maintenant, ils ont besoin de stock métallique. La colonie semble respecter nos réglementations. Vous êtes autorisé à poursuivre l'extension de votre spatioport dans les limites du raisonnable. Oui, t'inquiète pas. Figurez-vous que c'est précisément l'ordre du jour. Orbital Watch menace encore les routes commerciales de Global Union. Donc là, en fait, ça produit quoi? Ça nous produit directement de l'aluminium. L'aluminium va être très utile, surtout par la suite. Ça demande une cinquantaine, ça demande plus. Ouais, on va mettre un petit drone, tiens. Hop. Deux petits drones. Ça réduit en fait la main d'œuvre. La main d'œuvre, c'est quand même bien de l'avoir de côté en fait. Maintenant, ceci dit, hop, il va leur falloir quand même ce qu'il faut en fait. Ça nous demande des mousses métalliques et ça produit de l'aluminium. Cet aluminium, quand même, va être très utile pour nous. Je vais la foutre là en fait. C'est quand même bien ici. Que je pourrais la foutre ici comme ça, je peux avoir un autre accès plus facile. Je vais la foutre là, tiens.
Pourquoi la mettre là? Vous me diriez-vous? C'est tout simplement pour mettre une petite zone et être tranquille. Alors, les boîtes de conserve, là, il nous en manque un petit peu. C'est pas grave, on va en rajouter. Mais tu vois que là, actuellement, eh ben, il nous manque un petit peu de mousse métallique. Donc du coup, il va falloir... Ah oui, forcément, je peux pas en mettre pour l'instant. Il va falloir une autre zone d'aluminium. Pour être tranquille, il leur faut une petite zone. Ah, il leur faut du métal de toute façon. Il leur faut tout ce qu'il faut. Il leur faut du métal. De toute façon, il faut des produits pétrochimiques. Donc du coup, pour l'instant, je peux pas trop... Et ça, ça produit de l'énergie. Mais ça a besoin de mousse. De ça, en fait. Alerte. Manque de transporteurs compromet la production. Bah ouais, je suis bien, mais... En fait, il m'en faudrait un de plus, quoi. Deux de plus, pour être sûr de faire ce qu'il faut. Parce que là, du coup, ça va réduire la production. Notamment lui, en fait. Ça réduit considérablement la production. Entretien, iridium. Moins 15 iridium. Alors là, tu vois, il me dit plus que 17. Il nous en manque. Ah, c'est bon. On a ce qu'il faut. Voilà. Bon, maintenant, il nous manque de l'énergie. Forcément. Il nous manque de l'énergie. Bah, l'énergie, on va devoir la mettre là. C'est la loi en matière de construction, j'espère. Ouais, t'inquiète pas. Alors là, du coup, on aura besoin de turbines géothermiques pour nous produire de l'énergie. Mais pour cela, il nous faut de la mousse métallique. Et cette mousse métallique, du coup, ça va produire en fonction naturellement de l'aluminium. Défaillance énergétique. Et forcément, s'il y a une défaillance énergétique, bah forcément derrière on produit moins, ce qui est tout à fait normal. Du coup, toutes les industries en fait sont rabaissées en fait, clairement pour survivre ce qu'il faut. Donc bah lui il produit déjà un petit peu moins vite du coup. Donc ça c'est un petit problème. Mais c'est surtout qu'ici en fait je veux ce qu'il faut. Il faut de la mousse métallique. Et cette mousse métallique il va falloir attendre un peu. C'est un petit peu dommage là pour l'instant. Mais et tu vois la conserve d'aliments on n'a pas ce qu'il faut. Donc du coup et ça bah, de la mousse métallique et je vais pas en mettre. Parce que bah du coup Bonjour madame. Il va m'en falloir. Il va m'en falloir pour mettre ici. Donc il faut attendre en fait encore un. La zone arctique c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu dur. Moi concernant ça c'est assez dur quand même. Il faut dire ce qui est. Même si j'ai déjà fini le jeu. C'est assez dur. Hop, nous avons ça. Donc du coup on va pouvoir mettre une belle petite chose. Waouh. Et forcément, on n'a plus assez d'ouvriers. Donc du coup, plus assez, du coup, réduction encore. Et oui, ça c'est un peu le problème. Donc du coup, pour que eux soient contents, il faudrait qu'on ramène... Oh, ta gueule. Faut qu'on ramène des boissons vitaminées ou des implants neuro. Cependant, les implants neuro, il faut du mobilène. Et le mobilène, bah, il faut déjà avoir 75... de tout. Donc du coup pour l'instant bah voilà on est un petit peu. Alors soit vous êtes en dèche d'énergie comme là je viens de faire. Donc, je suis en dèche hein, vous pouvez voir il n'y a plus rien. Donc du coup eux bah ils ont plus grande production. Donc c'est quand même mieux pour l'instant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un petit peu avant de redémarrer la géothermie. Je préfère être en dèche un petit peu d'énergie qu'en dèche de production de main d'œuvre. Parce que la main d'œuvre en fait vous fait en sorte que vous produisez quasiment plus rien. Donc je préfère être à 3% de moins surtout que à 15% de moins. Pénurie d'énergie. Oui, t'inquiète pas, ta pénurie d'énergie, je vais te la mettre. Ici et nulle part ailleurs. Oui, mais t'inquiète pas, je sais où aller. Hein. Non mais,
Alors après, par contre, je sais qu'il y a un endroit, voilà, qu'on peut acheter des belles choses. Voilà, j'ai acheté des choses, je suis content. Donc du coup, je remets ça en route. Ah, il te manque des choses. Bah oui, mais attends, je vais en rajouter. Je vais rajouter ce qu'il faut. Voilà. Faut attendre en fait les sources d'énergie de chaleur, d'énergie de chaleur. Donc après, eux, ils s'en foutent qu'ils soient très loin, hein, pour l'instant, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la communauté. Là, tu vois, je suis à 93%. Bon, ça commence à remonter tout tranquillement. C'est tout à fait normal. On va leur foutre tout ce qu'il nous faut. Ah, pourquoi il y a une petite route ici, tiens? Vous pouvez voir, actuellement, je suis à 94%. Leur mets là, je suis à 95%. Je commence à améliorer. Tu vois, je suis toujours en déficit. Je fais frisquier. Bon, en même temps, t'es en Arctique, Colos. Voilà. Oh, du poisson à manquer, ça va manquer. Ah, là, 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 là. Alors du coup, on est à 99%, limite on est à 100. Oui, on est à 100. Donc du coup, ça voudrait dire que... Ah, améliorer les docks de l'As. Hop. Production. Encore? Ah, c'est toi qui as des rides. Le réseau de stabilisateurs climatiques génère des anomalies climatiques. Ah. Extérieure détectée. Les systèmes ne répondent pas. Les valeurs de stabilisation approchent du seuil critique. Ils ont la totalité du réseau. Eh, hey, l'écoutez pas. Comme si on avait de quoi riposter. En clair, il faut aller combattre. Ou au pire, nous fournir du personnel à mobiliser dès qu'on aura trouvé une autre solution. Ouais, Kokota. Jorgensen a raison. Nous devons intervenir. Décision officielle ou pas. Remporter la victoire dans le machin. Donc du coup, ici. Intervention requise, intervention requise. Ça c'est quoi? Mais il est peut-être éventuellement possible. Ah cool, ça nous rapporte en plus du pétrochimique. Ça va nous permettre d'améliorer ce qu'il faut. Conflit de machin. Bah on accepte la mission, tiens. Hop, YOLO. Donc c'est ça que j'aime bien sur Anno là, c'est qu'en fait on a des missions de droite et gauche. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Bon par contre une fois fini, il y en a plus. Là, vous voyez ce bazar? Les transmetteurs ont des interférences dans tout le secteur. Et bien sûr, c'est pour les... J'aimerais... Ouais, donc du coup, on va devoir aller attaquer. Eh bon, allons attaquer. Waouh. Waouh. Affirmatif. Coucou! Ah, deux petites secondes, les gens. Je reviens. Voilà, du coup, c'était un petit appel. Un petit appel. Oh, que c'est beau quand ça pète. Moi, j'aime bien quand ça pète. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Oh, il y a ça pété d'ailleurs. J'adore comment ça pète. Mouah. Hop, on va récupérer du graphène. Ah, c'est de l'iridium et du graphène. Ouais, c'est bien ça, du coup. Voilà. Sting. Eh, bonjour. Voilà. Alors là, tu vois... Maintenant, j'ai plus le bateau pour soigner les bateaux que j'ai actuellement. Donc du coup, il va falloir quand même faire gaffe par rapport à tout ça, du coup. Voilà, drone de réparation, comme ça je répare quand même tous les drones en temps record. Ouais, ça a tout pété, c'est magnifique ça. Alors tu vois, j'ai un petit drone là qui est en mode PLS. Voilà. Bien reçu.
Hop, c'est magnifique. Donc lui, il faudrait que je le répare. Oh, NUM, il y a un barrage. Bien reçu. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je vais aller ici également pour récupérer tout ce qu'il faut. Je vais péter ça. Voilà, coordonnées confirmées. Hop, produit pétrochimique. Ah, ça, c'est déjà un bon point. Voilà. Faudrait que je récupère le produit pétrochimique ici. Voilà, ça c'est magnifique. Je vais ici. Je vais réparer. Voilà, mes petits pépères. Hop. Oh, on commence à voir le premier truc ici. Ah bah non, c'est le nôtre. Et on a la petite vie qui descend, qui descend, qui descend, qui va péter. J'adore le mec qui essaye de fuir. Voilà. Alors le bruit est quand même assez insoutenable hein, des fois. Alors on est déjà dans une partie là-haut. Chargé. Missile. Oui. Ouah, j'adore quand ça pète. On récupère tout ça. On a du graphène, c'est magnifique. Alors lui, par contre, tu vois, je vais le péter. Ah, il m'en manque un petit coup. Il manque un petit bout. Ça c'est quoi? Barrage de missiles, ouais, bah c'est magnifique. Hein. Oui. Bon ça en fait ça tout simplement, ça faisait en sorte que ça renvoie, ça envoyait des unités de ennemis. Donc, du coup bah voilà, extinction des feux. Alors par contre pour ici je voudrais bien... Bonjour. Ah, c'était pas ce que je voulais en fait. Dwing, dwing, dwing. Système d'armement activé. Non, ça je vais l'arrêter par contre. Oh, ça ça m'intéresse ici. Bien reçu. Hop. On vient par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Ah. Allez, on va réparer le tout. C'est magnifique. J'adore comment ça répare. Alors, c'est vrai que je pourrais faire directement la mission. Mais j'aime bien quand même faire ce qu'il faut. Hop, j'adore les trucs là parce qu'ils ne font pas de dégâts. Et bah du coup ici c'est nettoyé. Ah du graphène. Du pétrochimique. Voilà. Produit pétrochimique c'est quand même très important. Parce que ça permet tout simplement de faire des améliorations. C'est parti. Comme ici en fait. Oui. J'adore les missiles nucléaires, on dirait pas. Alors du coup, tu me détruis lui. Et moi je vais détruire ça. Voilà, on l'a fini. Merci d'avoir repris les stabilisateurs. Ah bah de rien, tiens, je vais améliorer ce qu'il faut.
quitter la mission. Vous revoilà ? Où est-ce qu'on en est ? Nous en sommes que j'ai déflingué l'autre. Donc on est plutôt tranquille. C'est vrai que je pourrais faire celle-là. Hein. Mais j'allais revenir dans notre glacier. Mais Global Union ne sera finissez, finissez plutôt ça. Le programme de licence lunaire doit... Oui. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah bon? Orbital Watch représente une plus grave menace. Finissez, bah c'est bon. Drake a sûrement des partisans secrets. Global Super Union alliage. Ah, intéressant. Présence sur la Lune. Pour ce faire, nous avons besoin de vous pour expédier sur place toute une flotte de navettes coloniales. Créer une route de transfert. Ah, ça commence à m'intéresser, tiens. En fait, là, ce qu'il nous demande, c'est tout simplement de ramener des boissons vitaminées. Donc ça, c'est clairement. On doit produire des implants neuraux et construire un centre communautaire. Donc ça, c'est déjà bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va créer une nouvelle zone. On va demander à des boissons vitaminées. On crée le point principal, le point secondaire. On réduit maximum, bon c'est 200 de plus ou moins en fait. Donc ça veut dire que je peux confirmer ça. L'Arctique subit des températures extrêmes à longueur de journée. Il nous faut ne seront pas de trop. Ah bah oui, des vitamines, c'est toujours intéressant. Hop, donc ceci étant dit, du coup maintenant eux ils sont contents parce qu'ils ont des produits des boissons vitamines. Vitaminées plutôt. On peut dézoomer à fond. Maintenant, on peut commencer à construire des belles petites choses, des implants neuraux. Et ces implants neuraux, du coup, on a besoin d'un petit minage particulier. Et ce minage particulier, on le met là. Voilà, donc ceci étant fait. Oui ! Maintenant que ceci étant fait, on va pouvoir augmenter ce qu'il faut. Nos systèmes de contrôle et de communication spatiaux seront desservis par... Voilà, vous pouvez voir actuellement que les habitants font que bah ils sont plutôt contents hein, parce qu'ils ont des implants neuraux. C'est très aimable à vous. Et du coup, on va pouvoir avoir bientôt la chance, je dis bien la chance, d'attirer des scientifiques en zone arctique. Tiens, bonjour. C'est des protecteurs pour l'instant. Du coup, c'est des protecteurs, il va en falloir un peu plus. Et bah du coup, on a ce qu'il faut pour qu'ils soient contents. Ça, du coup, on va pouvoir produire un peu plus. Voilà. Eux, du coup, construction possible de produire un peu plus également. Ceci dit, tant fait, on va pouvoir augmenter un petit peu la zone là. Donc ils sont contents, eux, on va produire un petit peu plus. Mais également, je vais réduire un petit peu le coût. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir mettre un centre communautaire. Bon, bien sûr, ce centre communautaire, il va falloir mettre un endroit bien précis. Je vais le foutre comme ça. L'heure est aussi grave. Oui, il est crucial que les gens se serrent les coudes. Je peux les améliorer. C'est ça qui coule. Non, pas toi. Moi, je veux lui. Voilà. De la mousse métallique. Donc, maintenant, ceci dit, étant fait, eh ben, il va falloir les améliorer. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le mettre autour, lui. Voilà. Déjà, eux, ils sont plutôt contents. Eux, du coup, on va pouvoir les améliorer également. Ouais, je vais les mettre jusque là, tiens. Oui. Pourquoi il a pas de route lui? Attends, je vais te mettre une route. Ah ouais, il a pas de route. Voilà.
Bon, c'est vrai que il te manque quelque chose. Si paisible ici. Ouais, c'est si paisible, ne t'inquiète pas. Je te comprends. Et du coup, on va pouvoir les améliorer. Vous avez des questions ? Oui ! Je les ai améliorés. Et nous demande maintenant mise à feu, obtenir 250 scientifiques dans le coin. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, ça produit bien. Et du coup, en zone arctique, bah, ils sont plutôt contents pour l'instant. Donc du coup, bah, je vais les améliorer. Entrez, entrez. La communauté. La communauté... insuffisant. Ah, on est à moins 2. Communauté. Eh ben, on va augmenter la communauté, là. Voilà, communauté, on est tranquille. Maintenant, il leur faut des... il leur faut ça, en fait. Par contre, j'ai plus de produits pétrochimiques. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Après, c'est pas énormément un problème en soi. Parce que du coup, bah, je leur mets ça. Et voilà, je suis en surcapacité. Donc pour l'instant, on est plutôt content. Alors maintenant, il leur faut des stimulants. De l'alimentation de luxe, des ordinateurs quantiques, des réplicateurs, de la confidentialité. Ouais, j'ai eu du mal à le sortir, la confidentialité, en fait. Hein. Donc, du coup, bah maintenant, on attend que ça monte. Que ça monte en flèche, en fait. Et bah voilà. Les plans du pas de lancement de la fusée et enchaîner avec quelques tests. De notre point de vue, vous pouvez commencer la construction. Les plans sont prometteurs. Créer une route de transfert superliage de glacier à la baie. Ah, bah c'est ça qu'il me faut du coup. Tiens, toi, je te mets ça aussi. Du coup, toi, t'es toujours en surplus. Donc, t'es plutôt content. Scientifique, maintenant, tu vois, on peut créer une route. Il nous faut du superliage. À quoi ça nous sert ? Consommation par minute. Moins de l'immobilienne et ce qu'il faut. D'accord. Donc, déjà, c'est une belle zone, ça, en plus. Il nous en faut 5. Alors, qui dit il nous en faut 5 dit... qui nous vient du froid. Oh, bah, attends. Hein. Les marchandises sont expédiées. Merci. Tiens, des implants neuro, tiens, je vais tout prendre. Ouais, t'as vu, je suis le meilleur client parce que je prends tout. Très clairement, je prends largement tout. Voilà. Là, on est toujours en suffisamment, donc c'est cool. Là, du coup, on fait ça. On peut faire une belle zone. Hein. On pourrait la faire là, la zone, tiens. Boum ! La construction est lancée ? Tant mieux. Outre la construction de la rampe de lancement et des... Wow. Ce genre de métal a de très nombreuses autres applications. Alors, l'avantage ici... oh putain ! A de l'hydrate de méthane. Ah ouais, quand même. Plutôt pas mal, plutôt pas mal, il faut dire ce qu'il y a. Est-ce qu'on a largement ce qu'il faut en production ? Ouais, on pourrait l'augmenter un peu. Tiens, on va t'augmenter un petit peu. Tiens, on va le foutre là. Voilà. Donc c'est de la grosse production, hein. On est déjà largement ce qu'il faut. Du coup, ce qu'il nous faudrait... totale confiance en vous. Ouais, t'inquiète pas. Putain, du méthane, il leur faut. Du déthérium. Ah, le fameux déthérium, c'est plutôt sympa. Du coup, nous, on va se laisser là, les gens, ou pas. Non, on va se faire la petite route, la dernière petite route, là. Hop, on fait ça. On crée une nouvelle route. On va à la zone arctique. On demande ceci. De la zone là à la zone là. Et on leur demande une dizaine. Voilà. Le métal est livré bon train maintenant. Ah ouais. Pas de plus vers l'immortalité. Et je ne parle pas de cette drogue miracle que... il leur faut des implants neuro également. Donc du coup, ce que je vais faire, Arctique, implant neuro d'ici à là. Coordonner les diverses branches d'activité. Je vais en demander 10. Vous allez devoir déléguer. Hop. Je reviens ici, je regarde du coup ce qu'il en manque. Tac. Il leur faut du produit pétrochimique.
Il leur faudrait beaucoup plus du coup, donc ça veut dire que je peux leur en refournir un bon petit paquet. Donc ça c'est bon. Là-dedans, est-ce que je peux mettre ceci? Non, il faut des produits pétrochimiques. Des fois, c'est à se demander pourquoi les gens sont si crispés. Ah, de toute façon, il n'y en a pas. Comme ça, bah. Marché conclu. Revenez quand vous voulez. Voilà, comme ça, ils ont largement ce qu'il faut. Voilà, ils ont largement ce qu'il faut. Là, du coup, je suis un petit peu en dèche, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que je vais décharger la zone là et je vais recharger celle-là. Donc, du coup, ici, ça veut dire que je suis en pleine capacité, du coup, à poursuivre mon évolution. Très clairement, hein, dans la ville, on produit énormément, du coup, maintenant. Vous pouvez voir que... Tac. Indispensable dans notre... Bonjour. Oh. Un projet a commencé qui ouvrira la voie au générateur. Ouais, au générateur machin et autres. Donc, maintenant, attirer cadre en zone tempérée. Bonjour. Aujourd'hui, les défis sont plus nombreux que jamais. D'accord, ok. En fait, ici, on va construire une tour, en fait, tout simplement. Cependant... Soit c'est vous qui êtes à la traîne. Ah, ta gueule. Cependant, vous en êtes. Voilà, il faut que j'aille ici. Ah non, il faut pas que j'aille ici. Ouais, il faut d'abord balayer l'espace. Ah, d'accord. Faites-moi un point sur la mission. Utiliser le véhicule pour la marée. Donc il faut que j'aille ici. Et que je l'aille là. Ok. Donc ça c'est déjà un bon point. Déplacement vers. Vous pouvez voir là actuellement sur la carte que en fait on se déplace. À une vitesse folle en plus. C'est ce qui est cool. Du coup il va la marrer. Il va marrer le drone. Et du coup je vais l'amener ici. En plein milieu pour qu'il puisse nettoyer un petit peu la zone. Bon, c'est un petit peu long, hein, mais c'est tout à fait normal. Coordonnées confirmées. Première zone, la deuxième qui est par ici, voilà. Alors le drone, il est comment? Il est vraiment insensible. Je comprends pourquoi on ne parle voilà. Que de vous. J'ai une mission urgente. Il a une autre mission. Entretenir un rendement supérieur à 2000 crédits. Ah bah ça, j'ai largement ce qu'il faut, j'en ai 3000. Donc du coup, je suis tranquille. Attirer le cadre, hein, donc ça c'est la première zone. Du coup, moi ce que je vais faire ici, je vais débloquer le pont. En débloquant ce pont, du coup, je vais pouvoir m'amuser à aller explorer toute cette grande zone énorme. Comme ma bite. Énorme, comme ici en fait. On pourra faire ce qu'il faut pour vraiment nous étaler au grand maximum afin d'être tranquille en fait, hein, très clairement. Là, je reviens. Bon, religieux. Du coup, je termine la construction Veillez à du toujours pont. Respecter la réglementation applicable. Oui. Nous n'avons pas les moyens militaires de régler ce problème. Tout le contraire de vous. Eh oui, bah moi, j'ai du swag. Donc, bah maintenant ça c'est fait, lui il reste... Bah ça va, il lui reste 10 secondes. Vous pouvez voir, hein, actuellement. Du coup, Ah bah regardez. Ils sont en pleine forme. Ils sont vraiment en pleine forme. Du coup, ce que ça donne en fait... J'ai une mission reléguée par ma hiérarchie. Je vais pouvoir les améliorer. Puis-je me présenter? Oui! Cadre de vie supérieur! Nous sommes dans les temps impartis. Encore un peu de patience et vous franchissez. Et maintenant, bah forcément, les quatre, ils ont besoin quoi? De l'alimentation de luxe, des ententes de légion, des biotiques stimulants et de la mobilité. Mettez ces plans en application. Et du coup, lui, il me demande de faire quoi? D'obtenir des cadres. Et bah voilà! Niveau supérieur d'influence atteint. Eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Améliorer le bateau. Ok, alors ça je vais l'utiliser.
Amarrez le bateau à votre navire. Remorquez le bateau navire à Anthony. Eh ben, on va faire ce qu'il faut. Ah, je peux même augmenter ce mieux. Affirmatif. Je peux même augmenter ce qu'il faut. De transfert dysfonctionnel. Approvisionnement inapproprié. Inapproprié. T'inquiète pas, ça va arriver. Ça va être juste un peu long, mais ça va être ce qu'il faut. Hop, j'amarre ce bateau ici. Donc là, ça va être une très 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 grosse ville. Celle-ci, ça va être vraiment l'usine, en fait, la planète entière, complet de ce qu'il faut. Non, pas assez de ressources. Ouais, t'inquiète pas, il faut que je demande un peu. Ouais, t'y voilà, mon client. C'est l'inspecteur Gadget. Je sais pas pourquoi, mais. Succès en cours d'actualisation. Voilà. Magnifique. Bien. Puis-je annoncer au Sénat que vous êtes. Bien reçu. J'ai une mission relayée par ma hiérarchie. Encore. Entretenir une production exemplaire de biomère dans un temps restant. Ouais. T'es un peu fin pour ça, hein, parce que l'usine de bio machin là. C'est quoi l'usine de bio. Travaux du pont autorisé. Biopylène. Ouais, ça va, hein, parce que bon. Parce que c'est toi, sinon je t'aurais dit. Chute, hein. Ici tout est impeccable. Ah bah je confirme, mais moi je confirme pas. Il leur manque des boissons vitaminées. Ah. Il manque de la boisson vitaminée. C'est où la boisson? C'est où que j'ai mis la boisson? Non, c'est pas ici. C'est où? Ah, c'est là. On a tout installé. Essayez voir. Voilà, on est en surproduction. Les champs, par contre, on n'est plus du tout en production. Tiens, ça, je vais pouvoir le détruire, d'ailleurs. Plantation de fruits. Ah, bon, c'est chiant, ça. Donc, il me manque bah, toujours un peu de fruits. Des fruits, du pur jus de fruits. Hop. 8. Voilà. Du coup, forcément, il me manque bah, des petits champs. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Leur manque du stimulant. Leur manque du coup ceci. Bah, forcément, hein, ça va avec. Voilà, nous sommes en excédent de tout. Maintenant, il me faut 20 de ça. Voilà, à 30. Hop, c'est déjà bien. Donc, entretenir une bonne production comme il faut. Hop, lui, eh ben il est fini. Idéal pour notre prochaine filiale. Et voilà. Donc ça veut dire que le bah en fait toute la zone là, elle est à moi officiellement, elle est à moi. Ça veut dire que je peux tout ramasser, tout faire ce que je veux. Elle est vraiment à moi, cette zone-là aussi. Enfin, tout, quoi. Donc, en même temps, ça va être plutôt bien. On va pouvoir produire de l'énergie en masse, être extrêmement nombreux. Par exemple, cette zone-là, on peut dire que c'est la fabrication complète de tout minerai. Et par exemple, ici, mettre que des cadres, par exemple. Peut vraiment faire des grosses villes, des énormes villes. Il y a encore moyen d'améliorer ce système. Suffit d'un promotion impossible. Bah tiens, on va te produire des choses. Voilà. On est
en bonne production, on est des cadres, ici aussi, c'est même des gros cadres. Donc, voilà, nous on va se laisser là du coup les gens, tranquillement, ça va être fini de toute façon. Au niveau de notre épisode, on est largement ce qu'il faut. Du coup, ça c'est pas mal, hein, dépenser une usine de l'iridium. Accumulateur ou drone. Tiens, on va foutre. Ah bah non, on peut pas. Ok, il y a de la place pour quelques améliorations. Zone bloquée. Genre, on peut pas. Lui. Ah, il nous manque. Oh la vache, du silicium. Largement ce qu'il faut, de toute façon. Accumulateur. C'est de la qualité. Vous verrez. Ouais, de toute façon, j'ai réduit du coup l'empreinte énergétique dessus. Lui il reste 3 minutes, c'est plutôt bien, du coup une mini ellipse pour ça, et du coup je vous retrouve une fois que le petit pépère est content. Comme ça on se terminera là dessus, à tout de suite. Et c'est bon, du coup lui il est content, il a ce qu'il faut, chargez votre véhicule avec 70 primaires machin. Donc on va ici, on va là, les 70, on doit les avoir largement. Et du coup, on doit livrer ce qu'il faut à Tonton, hein. À Tonton, comment il s'appelle lui déjà, je m'en rappelle plus. À Tonton, à Tonton, je sais pas quoi. À Tonton d'Anthony, Tonton Anthony, voilà. Goodwin, pour qu'il soit très content, hein, de la mission qu'on vient de lui faire, donc. Une fois ça étant fait, du coup on va pouvoir se laisser là, officiellement. Et puis du coup, rendez-vous pour une prochaine... Ma confiance en vous était juste. C'est un investissement à long terme particulièrement judicieux. Et j'ai hâte d'en voir les dividendes... Ça, ça doit être pour faire des feux d'artifice. En termes de décoration, en fait. Vous mettez là... Par exemple, décoration... Vous pouvez, par exemple, en faire là... Ici par exemple et là. Et tous les X temps. Voilà. Ça tire des feux d'artifice. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc sur ce, nous on va se laisser là. Hein. Donc c'est des feux d'artifice super beaux, super mignons, super gentils. Où on a pas mal de choses encore à faire. Il nous faut des cadres pour avoir du soja, de la viande de bœuf, du vin, de l'alimentation de luxe, des plants de lin, de fibre, du silicium. Des complexes de machins et autres, avoir la fabrication de nanotextiles et des stations de métro. Ah, tais-toi. Il m'énerve avec son calibrage, lui. Tiens, ton calibrage, t'es content? Il est même pas content parce qu'il me l'a pas donné parce que je l'ai arrêté. C'est magnifique. Voilà. Allez, sur ce, bisous tout le monde. Et c'était EP pour du Anno 2205. Je m'en rappelais même plus ce que je voulais dire, en fait. Donc voilà. Allez, sur ce, bisous tout le monde. Putain, elle est quand même belle, notre ville, hein. Regardez, avec les feux d'artifice, c'est quand même pas rien. C'est quand même beau.